Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur TNTV pour un nouvel épisode du JT Vert, votre émission consacrée à la protection de l'environnement et au développement durable aux Finnois. Afin de faire notre part pour limiter la propagation du Covid-19 aux Finnois, toute notre équipe est en confinement strict et notre émission passe en toute image. Respectez bien les consignes données par les autorités du Finnois, restez à la maison et faites attention à vous. Ce soir, nous allons vous raconter l'histoire d'un orang-outan qui a décidé de saccager la chambre d'une petite fille. Découvrez pourquoi dans le JT Vert tout de suite, juste après le générique. Tandis que le Covid-19 se propage inexorablement et tue de nombreuses personnes partout sur la planète, il fait également des victimes collatérales parmi les animaux de compagnie. Si les chiens et les chats ne sont pas atteints par le virus, ils sont pourtant abandonnés massivement partout à travers le monde. Pourquoi ? Par peur, par manque d'informations et surtout à cause des fausses informations qui, en ces temps de pandémie, se propagent sur les réseaux sociaux aussi vite que le virus lui-même. Non ! Les animaux de compagnie ne propagent pas le virus et cette campagne de l'association 30 millions d'amis datant de 2016 nous rappelle que nos amis les bêtes seront toujours là pour nous. Il y a un rantan dans ma chambre, et vraiment, il exagère. Il fait peur à mes jouets et me pique toutes mes affaires. Il saccage toutes les plantes vertes et s'accroche aux lampadaires. Il n'aime pas mon chocolat et mon shampoing l'exaspère. Il y a un rantan dans ma chambre. Je veux le faire déguerpir. Allez, ouste méchant rantan, il est grand temps de partir. Mais avant que tu t'en ailles, je voudrais te demander... Pourquoi venir dans ma chambre, toi qui vis dans la forêt? Il y a des hommes dans ma forêt, et je ne sais pas quoi faire. Pour fabriquer ton shampoing, ils la transforment en cimetière. Il y a des hommes dans ma forêt, il ne manque vraiment pas d'air. Le futur est plein d'espoir. Toi et moi, changeons l'histoire. C'est le message d'une petite fille dont la chambre vient d'être saccagée par un orang-outan, lui-même chassé de sa forêt par les activités humaines. Les orang-outans sont des grands singes qui ne vivent que dans les îles de Sumatra et de Bornéo. Ils sont en grave danger d'extinction. Ainsi, chaque jour, 25 orang-outans disparaissent à cause des conséquences des activités industrielles liées à l'huile de palme, cette huile bon marché que l'on retrouve dans de nombreux produits quotidiens. Et comme elle le dit si bien, toi et moi, changeons l'histoire. Le futur est plein d'espoir. Toi et moi, changeons l'histoire. Dans le cadre de la SER, la Semaine européenne de réduction des déchets, qui a eu lieu en novembre dernier, la CCASM, en partenariat avec la Direction de l'environnement, l'ADEME en Polynésie française, le collectif Nanasac Plastique et le syndicat Finouama a souhaité faire connaître les alternatives aux emballages et couverts en plastique à usage unique existantes en Polynésie française et proposées par les entreprises locales. Pour l'occasion, nous avons pu rencontrer Carole, dont la boutique propose de nombreux produits bons pour la santé, bons pour le portefeuille et bons pour le Finnois. Regardez. Le concept de Natural Shop Tahiti, c'était de proposer sur le marché polynésien des produits naturels, issus de petits producteurs, d'abord néo-zélandais, puis Australie, et puis maintenant aussi France, dans le domaine de la santé et la beauté, et tous issus de petits, on va dire, des productions issues de petits producteurs, qui sont certifiés bio ou qui ne le sont pas, mais en tous les cas, qui ont tous des produits naturels, et ceci dans une démarche zéro déchet, donc avec des conditionnements en verre, des conditionnements en carton, et puis toute une gamme de produits zéro déchet. Aujourd'hui, c'est assez inévitable, si on ne fait pas un petit geste chacun, on ne va jamais y arriver, et on a des générations futures qui sont déjà en train de se poser des questions, qui eux vont trouver des solutions, mais on peut aussi les aider, on peut s'y mettre maintenant, on peut chacun faire un geste. Il y a des gestes qui sont peut-être plus compliqués, mais avoir un couvert, avoir des couverts en bambou dans son sac, une paille, un tawashi à la maison, c'est des choses simples à faire. Et puis parce qu'il y avait une demande aussi,
Donc on a répondu à la demande de Sur Tahiti avec des produits qu'on a trouvés ailleurs ou qu'on a fait fabriquer. Voilà, oui, il y avait une réelle demande et il y a un réel besoin. Alors la boutique, ce sont, on a dit, des produits naturels dans le domaine de la beauté et la santé. Donc c'est de la cosmétologie, des produits alimentaires, des super aliments, des compléments alimentaires. Après, il y a toute une partie épicerie fine, on va dire gourmet. Il y a des pâtes à tartiner, des muesli, des smoothies, des thés, des tisanes. Après, il y a toute une partie cosmétologie avec des produits femmes, des produits hommes, toute une gamme pour les hommes, des déodorants, des shampoings en barre. Il y a beaucoup de produits, on va dire, où les emballages, il n'y a plus d'emballage. C'est beaucoup de produits solides, notamment avec une gamme de shampoings et d'après-shampoings en barre. Dont on va dire 90% des cas, on fait énormément attention à l'emballage. S'il est en verre, s'il est en carton recyclable, on a des déodorants qui sont tout naturels, qui sont bio et qui peuvent après se jeter complètement au compost parce que tout l'emballage en carton est biodégradable. On a une partie de la gamme, qui est ce qu'on appelle la gamme zéro déchet, avec des alternatives au plastique et autres produits. Et effectivement, le sac cabas remplace les sacs plastiques. Il est merveilleux parce qu'on peut mettre en fait plein de choses dedans. Tu le vois petit là, mais tu peux mettre jusqu'à 25 kilos, je pense, de produits. Et effectivement, il nous rappelle tous, enfin tous les quatre, notre génération à nous, notre grand-mère. D'abord, dans un premier temps, c'est vous proposer des produits réguliers, parce que dans le monde, il y a plein de choses qui se fabriquent, ou qui, des inventions, des matériaux, plein de choses qui sont proposées, qui ne sont pas encore arrivées ici. Donc nous, notre intention et notre désir, c'est de les trouver pour vous et de vous les proposer, les meilleurs, hein, on va dire. Pour ça, on a testé 25 shampoings avant de vous présenter les shampoings qu'on a dans la boutique. Donc c'est ça, c'est vous proposer régulièrement des nouveautés qui vont faire que vous allez consommer des produits qui seront meilleurs pour votre santé et qui seront aussi meilleurs pour le Fénois. Dans la lutte contre la propagation du Covid-19, les maires sont en première ligne auprès de leurs habitants. Dans le cadre de son plan communal de sauvegarde que le haut-commissaire a activé sur l'ensemble du Fénois le 20 mars dernier, il doit prendre toutes les mesures nécessaires au niveau local pour appliquer les décisions prises par les autorités de l'État et du pays pour contenir la propagation du Covid-19. Il a également la responsabilité d'assurer la continuité des services publics et de contribuer à la protection des habitants. Les cellules de suivi doivent donc également anticiper les conséquences que pourrait avoir une extension de l'épidémie. Enfin, avec la montée en puissance des réseaux sociaux, le maire doit être particulièrement attentif à la multiplication des rumeurs et fausses nouvelles. Pour terminer notre JT Vert, nous vous proposons de partir pour l'Asie centrale pour y découvrir la mer d'Aral. La mer d'Aral est en fait un lac, un immense lac salé. Elle était encore dans les années 60 le quatrième plus grand lac de la planète. C'est durant cette période que des ingénieurs agronomes soviétiques décident d'intensifier les cultures du blé et du coton dans cette région désertique. Pour cela, ils vont détourner les grands fleuves de la région pour irriguer les cultures. Alors privée de ses apports en eau, la mer d'Aral s'assèche rapidement. Depuis 1960, la mer d'Aral a perdu 75% de sa surface, 14 mètres de profondeur et 90% de son volume. Petite lueur d'espoir, de nombreux projets de sauvetage de la mer d'Aral sont proposés régulièrement. Voilà les amis, le JT Vert tout en images est maintenant terminé. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous. Vous pourrez retrouver notre émission sur le replay de TNTV ainsi que les réseaux sociaux du JT Vert. Souvenez-vous de rester à la maison, à dimanche prochain sur TNTV, au revoir. Prochainement dans le JT Vert, nous sommes les générations Planète Terre. Dimanche prochain, parlons préservation de notre Fénois et agissons ensemble pour notre planète. Et dans notre contexte de lutte contre la propagation du Covid-19, nous verrons son impact déjà visible sur notre planète. C'est prochainement dans le JT Vert.